paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. C'était une bien belle messe. C'est vrai que les autres n'étaient pas là. Hein? Je le sais, papa. Mais maintenant, je vous promets que vous pourrez partager la messe avec eux. J'aurais plus d'angoisse. Il y avait un certain temps que j'avais renoncé à dire la messe. Et ça m'était très dur. Pendant tous ces mois, je me suis senti terriblement solitaire. Et depuis 2 jours, ici avec vous, et après avoir parlé avec le brave curé de Sainte-Marie-des-Anges, mais je me suis senti apte à reprendre cet acte de foi. Que voulez-vous? On aurait dit que je me sentais indigne de l'Eucharistie. Donc, je ne devrais pas vous ennuyer avec tout ça. Mais pourquoi, mon garçon? Pourquoi? Tu penses pas que si je suis rendu à l'âge que j'ai, là, c'est pas pour aider un petit peu, essayer d'aider un petit peu ceux que j'aime? C'est rien que d'écouter là, quelqu'un qui a de la peine. Là. Des fois, ça fait du bien. Vous avez raison. Grâce à vous, je suis à nouveau un peu confiant. Mais j'aurais jamais dû quitter la ferme aussi vite quand je suis rentré d'Afrique. Faut pas essayer de refaire ce qui a été fait. Ça devait arriver demain. Tu vas aller au bout de ton épreuve de ce manière-là. Maintenant, tu as pris le bon chemin, là. Je te prédis, moi, dans peu de temps, tu vas te sentir complètement neuf. Ben, je le crois aussi. Et la preuve, c'est que j'ai pris un autre rendez-vous avec le psychiatre. Je dois le voir aujourd'hui. Ah. Voyez-vous, vous m'avez reproché de ne pas m'être rendu à l'hôpital comme il me l'avait demandé. Mais je ne veux plus être négatif. Et du côté physique, je me sens tellement plus fort de jour en jour. Et je suis content. Je suis donc content. Comme ça, t'as plus de petite envie de boisson, jamais. Hein? Oui, tu vas me le dire, moi je comprendrais. T'en as pas entre vers toi quelque part? Hein? Non, papa. Nulle part. Mais... Et même, ça m'étonne énormément, j'ai plus envie de boire quoi que ce soit dans le sens où vous le dites. Je me sens bien, serein. Pas depuis longtemps, bien sûr. Mais je crois que je m'en sortirai. Est-ce que vous venez avec moi, Joliette? Oui. Oui, quand je suis arrivé d'Afrique, j'ai fait des démarches pour avoir mes permis et je les ai renouvelés. Ben, je suis en état de conduire. Oh! Puis Martin m'a trouvé une vieille voiture à acheter. Comme ça, tu vas avoir un char à toi? Oui. Oh, ben ça va être le fun. Oh, on va aller à Saint-Côme, on amènera la petite fleur avec nous autres. Ouais. Mais je suis heureux. Je suis donc heureux! Oh, comment ça va? Oh, je suis donc contente. Mais tu comprends, depuis que les classes sont recommencées, hein, c'est pas mal calme ici. Heureusement que je vais souvent avec Jeanne l'après-midi. Et qu'est-ce que vous faites toutes les deux? Ben, on jase un petit peu. Et puis, on travaille pour le cercle des fermières. Tiens, c'est la fameuse plante dont je te parlais. Oh, mon Dieu, que t'es fine! Oh, mais c'est... Je sais pas, mais elle est étrange, cette plante-là. J'en ai jamais vu une comme ça. Et que j'aime donc les plantes. Moi, je suis une belle plante. C'est pour ça qu'elles poussent bien chez toi. C'est parce que tu les aimes. Ah, tu comprends, les plantes ici, c'est un peu comme mes amis. Mais est-ce que ça lui prend beaucoup de soleil, à cette plante-là? Non, pas trop. Mais de la lumière, par exemple. Hein? Mon doux que c'est joli. Bon, ben, je vais te payer ça. Eh, viens-tu folle? Il n'y a rien là. C'est un cadeau. Tu as été si gentille pour moi. Quand je pense que j'ai du travail grâce à toi. Moi, ça m'a fait plaisir. Hey, as-tu le temps de prendre un café? Ben, si t'en as de fait, je dis pas non. Après, je descendrai au bureau de ton mari, puis je vais lui faire ses chèques du mois. Pieta! Oh, mon doux, excuse-moi, j'étais en train de faire ma toilette. Je serais peut-être mieux d'aller m'enfiler une robe. Ben, commence pas à faire des manières avec moi. T'es bien comme t'es là. Tu iras après. Correct, d'abord. Puis, as-tu eu des nouvelles de tes enfants? T'étais pas mal inquiète l'autre jour. Oh, toujours rien de mon fils depuis un mois. Oh. Gisèle est venue en fin de semaine. J'étais assez contente de la voir. Ça va bien pour elle maintenant. Hein? Ses cours à l'école d'hôtellerie marchent comme elle veut. Elle a des bonnes notes. Oh, tu sais, je m'ennuie d'elle pas mal des fois. Oh, je voudrais donc qu'elle soit heureuse un jour, cet enfant-là. Ah, oh, ben, tu comprends, chez mes parents, hein, c'est pas bien ben brillant comme résultat sur 3 filles. Moi séparée. Lise à Québec qui s'entend pas avec son mari. Plus que moi avec le mien, mais.
Puis Josette, qui est encore célibataire. C'est tout un numéro, celle-là. Oh, elle finira bien par se caser. C'est pas une beauté, mais elle est quelque chose. Ouais, comme dit ma mère, elle a la beauté du diable. Mais je me demande bien qui c'est qui va aller la repêcher, hein? À son âge. En tout cas, c'était pas retourner au travail avec la rentrée des classes. Moi, je m'en allais vivre ailleurs, hein. Mais c'est pas qu'elle est méchante, mais elle est, comme on dit, achalante. Elle, il paraît qu'à l'école, là, avec ses élèves, elle est patiente 100%. C'est peut-être qu'elle use sa patience à l'école, puis après ça, elle se reprend sur vous autres. T'as peut-être raison. Est-ce que je me trompe ou si vous êtes en meilleur état que la dernière fois où nous nous sommes vus, morale et physique? Vous ne vous trompez pas. Et pour quelle raison n'êtes-vous pas venu comme convenu? Je ne sais pas exactement. Je crois que je n'avais pas encore compris la nécessité de vous voir. Mais jour, après mon rendez-vous manqué, je regrettais mon geste. Je me rendais compte que ça aurait été bon de continuer à faire marcher la soupape. On en a tous besoin, à un moment ou à un autre. Surtout à une époque où la pression se fait de plus en plus forte sur l'être humain. Trop de chocs, trop d'angoisse, les nerfs flanchent. On ne sait plus exactement où est la logique. Pour moi, c'est pas d'aujourd'hui. Cette pression-là, elle m'a écrasé il y a longtemps. Loin d'ici, en terre d'Afrique. Cette terre qui continue à me hanter. C'est pas que j'aimerais l'oublier, mais je voudrais... Comment dire? Je voudrais vomir certains faits du passé qui m'ont écorché vif. Tant mieux si vous vous sentez prêt à faire le point. Voyez-vous, docteur, il y a 14 ans environ que ces événements-là se sont passés. Un jour, là-bas, j'ai rencontré, ou plutôt, j'ai trouvé un enfant abandonné. Un garçon de 12 ans que les guerres de clan avaient rendu complètement orphelin. Il était attachant. D'une vivacité d'esprit remarquable. À la communauté, nous l'avons hébergé, nous l'avons fait soigner. J'ai commencé à l'instruire. Il voulait à tout prix devenir professeur pour retourner enseigner là-bas, au village où il était né, à 40 kilomètres de là. C'est alors que j'ai connu la joie de la paternité. Je sais pas si vous comprenez bien ce que représentent ces mots. La joie de la paternité. On peut avoir fait des vœux, des promesses, mais bien souvent, au fond du cœur, le prêtre garde ce regret. La paternité. Bien sûr, c'est instinctif. Et alors, cet enfant-là est devenu mon fils spirituel. Je l'aimais, si vous saviez. Je l'aimais comme un père aime son fils, en toute candeur, devant Dieu. Jamais vous entendez. Jamais je n'ai considéré cet enfant autrement qu'un de ces petits entourant le Christ de l'Évangile. Et pourtant, les horreurs qui sont dites à son sujet, à mon sujet, des blancs, naturellement, m'ont accusé d'être un homosexuel. Oh,
Oh, vous pouvez pas savoir le cauchemar qu'ils m'ont fait subir. Il a fallu que je renonce à cet enfant qui n'a jamais compris pourquoi, brusquement, je l'abandonnais. Lui et moi, nous avons retrouvé notre solitude. Tous m'a fait un innocent. Je parle pas pour moi. Et tu, petit Patrice. Et alors, ça a été le commencement de la fin. Non, Jésus, j'étais un homme faible, très faible. J'ai hésité pendant des jours, des semaines, à savoir si j'allais tout rejeter pour aller retrouver mon fils spirituel. J'ai pas osé. Je vous l'ai dit, je suis faible, heureux. Alors la nuit a commencé. Je me suis mis à boire. Peut-être que je cherche encore aujourd'hui une excuse. Dans cette vieille histoire du passé. Vous croyez pas? Avez-vous déjà raconté ces faits depuis qu'ils se sont passés? Jamais. J'aurais pas pu, je ferais trop. Mais vous avez une famille. N'a-t-elle jamais rien représenté pour vous? Oh oui, j'ai une famille. Elle représente énormément pour moi. C'est la plus belle qu'on puisse avoir. Et une famille terrienne. Mon père vit encore. Il a 84 ans. Et je voudrais tant qu'il retrouve la fierté qu'il avait de moi. À mes débuts, ma carrière de prêtre. Sans que je lui parle jamais, j'ai l'impression qu'il a compris tant de choses. C'est là où vous demeurez présentement? Oui. Pouvez-vous, sans difficulté, prolonger votre séjour? Oui, c'est bien mon intention. À mon tour d'Afrique, si je les avais pas fuis aussi vite, je ne serais pas allé aussi loin dans la déchéance. L'atmosphère de mon village, la maison paternelle m'aide énormément. Voilà donc une bonne chose. Pouvez-vous là-bas vous employer, vous rendre utile? Ah ben oui, justement... Je vais avoir l'occasion de me remettre à la menuiserie que je connais un peu. Tant qu'aux, disons, dispositions où vous a laissé le choc de votre opération, vous n'avez pas de problème. Vous ne vous sentez pas le besoin de recourir à l'alcool. Absolument pas. Mais vous pensez que ça peut revenir? Pourquoi dire cela? Pourquoi être négatif? Vous avez subi une désintoxication forcée. Si vous avez de nouveaux motifs de vous rattacher à la vie, je ne vois pas pourquoi vous nous laisseriez aller de nouveau. Cependant, vous aurez toujours raison de vous méfier, de chercher dans une solide thérapie à vous assurer de plus en plus un retour à l'équilibre, à la santé morale. Peut-être trouverez-vous bon de revenir régulièrement parler et discuter avec moi. Toujours contente d'être venue au village? Je pense que oui. Et d'abord, j'ai pas mal d'ouvrages. J'ai plusieurs commerçants qui me font préparer leurs impôts. Et en plus de la tenue de ton bureau, il y a Laurent Dantin qui m'a demandé de faire les comptes de la coopérative, là. Puis aussi de sa nouvelle shop de réparation de machines agricoles. Bon. Tout ça ensemble, avec ce que tu me fais faire en plus pour la municipalité, je travaille presque à temps plein. C'est vrai.
Mon problème d'argent est réglé. Tant mieux. C'est plutôt l'adaptation morale qui est plus lente. Ben, jusqu'au printemps dernier, j'étais une femme mariée, une mère de famille. Mes enfants étaient encore à maison. Mais là, de retour dans mon village natal, chez mes parents, comme autrefois, j'ai l'impression de ne plus savoir pas en tout ce que je fais sur la terre. C'est comme si je retournais plusieurs années en arrière, puis que je voyais pas en avant de moi. Bon. Ça arrive à tout le monde, Stéphanie, d'être à un moment de la vie où tout est à refaire différemment. Elle prend ma femme. Oui, je sais. Élisabeth m'en a parlé. Mais ça va bien pour Orise maintenant. Elle t'a dit que pendant quelque temps... Bien sûr. Quand je viens ici, on jase ensemble. Mais je pense plus qu'il y ait question pour elle de boire. Non, je pense qu'elle touche plus à boisson. Heureusement, chez elle, c'était pas une habitude bien vieille. Mais je sens quand même que ma femme est plus allante comme dans le temps. Elle vieillit, elle se laisse aller. Prends-toi, t'as l'air tellement plus jeune. Pourtant, t'as eu bien plus de misère, puis vous êtes quasiment du même âge. Faut pas se fier aux apparences. Tu penses quand même pas que je la martyrise en cachette, Orise? Non, tout de même pas. Mais je sais aussi que... il y a bien des gens qui ont l'air d'avoir tout ce qu'il faut pour être heureux, puis ils se sentent souvent comme si tout leur était enlevé. Tu sais, ce qui est important pour une femme qui avance dans la vie, c'est de pouvoir continuer à communiquer avec le monde. Moi, à cette heure, là, que je cherche comment j'ai pu endurer si longtemps mon grand zarzette Don Juan, mais je me rends compte que c'est parce que j'avais affaire avec le public. J'étais tout le temps sur le piton. Les gens étaient gentils avec moi. J'étais une des premières femmes pompistes garagistes. Ça frappait le monde. Même que bien des clients m'aidaient. Hein. Si je te disais que je changeais un pneu en quelques secondes... Il me semble te voir, un petit bout de femme avec tes petites mains. Mes petites mains? Elle n'est pas si petite que ça. Mais c'était pas comme aujourd'hui. J'avais les ongles ras, puis tout noir, graisseux. J'étais jamais coiffée. J'avais pas le temps de me faire arranger. Oui. Je parie quand même n'importe quoi que t'étais la plus belle. Tiens, depuis que tu travailles dans le bureau ici, tu y mets plein de lumière, plein de vie. Toi, au moins, t'es une vraie femme. Bon, ben, je vais me laver les mains, hein, puis je reviens te signer chèque. Tous de la même race. T'es encore au travail, maman? J'ai eu une commande. Il y a une heure à peine. La femme du docteur Lemay. Il va passer prendre ça tout à l'heure en revenant de Joliette. Et passe-moi donc le petit pot de Chevaria. On va mettre une touche plus différente. Et puis, aussi le pot de... Aglaonema, là. Aglaonema? Oui, là. C'est ça, c'est ah, ça. Ah, ça. Merci. Ah, oh, t'as donc le tour, maman, de faire des arrangements qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs. Tu prends deux, trois, quatre plantes, tu ranges ça dans un pot, puis c'est tellement beau. C'est une question d'habitude, ma fille. Je connais tellement mes plantes. Il suffit qu'on me dise un peu... ce qu'on veut et où ça va, eh bien, ça fait tout de suite une idée. Hop, ça marche, un petit peu de ci, un petit peu de ça. C'est pour mettre où ces grands pots, là? Et pas des pots, Stéphanie, ce sont des baquets. Ah! C'est pour mettre dans un vestibule vitré. Oh, dis donc, Maurice, de maison, t'as payé la petite fougère, Asplenium? Petite fougère? Voyons, tu me l'as demandé juste avant de partir. Ah oui, bien sûr, j'avais oublié. Je t'ai même dit le prix. 6 piastres? Ben, je te paierai ces jours-ci, maman. Ah, tu as tort, laissez faire des petites dettes. Ce sont toujours celles-là que les gens oublient de payer. Et Orise me paie toujours content. Ah, oh ben, maman, la petite fougère, je la lui ai donnée. Mais c'est moi qui te la paierai, rassure-toi. Ah, ben, j'ignorais. Et donc, comment elles vont ces plantes, Orise? Oh, ça me fait penser que je lui avais promis d'aller voir son hibiscus. Les boutons tombent toujours avant d'éclore. Moi, je suis sûre qu'il n'est pas suffisamment orienté vers le soleil. Elles sont belles, ces plantes. Ah! Et ton travail? Ça marche? Tu es contente? Enfin, tu t'entends bien avec notre mère? Oh, très contente, maman. Je suis sûre que je vais gagner ma vie très bien. Et comme c'est la fin du mois, là, si tu préfères que je m'installe ailleurs, moi, mes moyens me le permettent, là.
Et comme tu veux, Stéphanie. Tu sais qu'avec moi, on est toujours libre. Mais cependant, ici, tu es une jeune personne. Tu as ta place, aussi bien que ta sœur. Oui, mais tu dois tout de même avoir une idée personnelle, maman. Pourquoi est-ce que j'aurais une idée personnelle? Est-ce que tu demandes à ton père s'il en a une? Bah, tu sais bien que si tu décides quelque chose, il acceptera aveuglément. Pourquoi dis-tu ça? Ton père n'est pas un imbécile, il est un faible. J'ai jamais dit ça, maman. Mon père, je l'adore. Mais il est comme tous les bons maris de votre époque, comme l'Antoine Jacquemet, ou bien le Jonas, ou bien d'autres. Heureux de vivre dans le matriarcat. Justement, j'ai remarqué que Villa des Maisons est bien différente. Tant que ça? Donc, je te dis que chez lui, c'est lui qui mène. Ou plutôt, c'est lui qui règne. Horace vit dans son ombre. Ton père et moi, nous vivons sur un plan d'égalité. Nous sommes deux associés. T'avoueras quand même que c'est plus souvent à ton avantage, maman. L'important, c'est que ton père soit heureux. Pas vrai? Il faut bien qu'il y en ait un qui prenne des idées. Et lui, il est trop lent. Et je ne prends d'ailleurs les idées que qu'il connaît. Es-tu sûre de ce que tu dis là? Mais absolument. Je ne prends des décisions que si elles découlent de la logique. Comme je t'envie, maman. Même si t'as vécu au Québec, là, t'es restée bien française de ce côté-là. T'as pas de complexe, puis t'es sûre d'avoir raison. Parce que je ne fais rien sans réfléchir. Je t'ai raconté ma vie, maman. Dis-moi un peu, là, à ma place, dans les mêmes circonstances, tu l'aurais laissé, ton mari? J'aurais sûrement pas attendu aussi longtemps que toi, ma fille. Bon, voilà, c'est fait. Il me reste plus qu'à préparer la facture. Dis donc, n'oublie pas mes 6 piastres, toi. Crains pas, maman. Mais dis-moi un peu, là. Tu tiens quand même à ce que je reste ta pensionnaire ou... Je ne veux pas t'influencer, Stéphanie. Pourtant, je peux te dire que je suis bien contente de t'avoir retrouvée. On s'est toujours bien entendues, toutes les deux. Pas vrai? T'es une vraie femme, toi. Compris, maman. Et c'est curieux, hein? T'es la deuxième personne aujourd'hui qui m'assure que je suis une vraie femme. Comme si j'en doutais. Bon, ben, je reste avec vous autres. Mais à l'avenir, je paierai pension. Ah, ça, j'ai pas de refus, mon enfant. À l'époque de dépression que nous traversons, ça fera bien mon affaire.